J'ai profité du trajet pour m'habiller, pour gagner du temps. Vous pouvez toujours essayer. Armin, tu devineras jamais qui va jouer à Marseille. Mais c'est pas par là le stade, on sort de Marseille là. C'est bouché en ville, on va faire le tour. Djibril Cissé lui-même, numéro 9, à l'Olympique de Marseille. Voilà, ça c'est de la route, du vrai velours. Vous avez vu, on n'entend même plus le moteur. Ah bah c'est sûr qu'à cette vitesse, on n'entend plus que le vent. Une dépêche vient de tomber à l'instant, l'Olympique de Marseille viendrait d'acheter à prix d'or un joueur exceptionnel, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Djibril Cissé. Un taxi blanc vient de passer les mureaux et sera chez vous dans moins d'une minute. Bien reçu. Ça doit être le petit Daniel. Eh ben, mais cette allure, c'est pas le pape, hein. On envoie le Parisien. Oh putain, oh là, tu vas fort. Ben quoi, vaut mieux qu'il apprenne, il est stagiaire. Oh, dis-moi, Blanc. Oui, chef. Tu veux pas aller près du radar là-bas? Tu as un bouton dessus, tu me le mets sur extra sensible, d'accord? À vos chef. Attention, le TGV arrive. Éloignez-vous du quai. Merci petit, c'est bien, c'est plus efficace sur extra sensible. Dis donc, pousse bien votre taxi, hein. Ah ça c'est mes petites astuces à moi. J'ai récupéré 2-3 pièces sur le Concorde quand ils l'ont mis en vente. Oui bah freine, parce que là j'ai pas envie de la rater la sortie. Et on me le confirme à l'instant, c'est pour une somme de 60 millions que le club marseillais réalise le transfert de l'année. Bouché partout. Prends le parking souterrain, je le connais comme ma poche. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète toujours quand tu connais. Les rumeurs et les sommes les plus folles courent actuellement sur l'arrivée du célèbre footballeur Djibril Cissé à l'Olympique de Marseille. Pour en savoir plus, nous rejoignons Armand Petchi en direct du stade Vélodrome. Eh oui, absolument, je suis ici en direct de Marseille pour ce match amical au profit de l'association des enfants malades. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le joueur aurait demandé cette somme astronomique, puisque l'on parle ici dans les couloirs d'un contrat de 200 millions d'euros. Il viendra évidemment s'expliquer au micro de TF1, mais pour l'instant, la star n'est pas encore arrivée. Bon, si c'est ou quoi si c'est, s'il n'est pas là dans une minute, je donne le coup d'envoi, moi. À droite là. Emilien, ça fait déjà 2 fois qu'on passe à droite là. T'es sûr que tu connais comme ta poche? Mais oui, je me suis occupé de la sécurité du pape quand il est venu. On a fouillé ce parking pendant 6 jours pour retrouver Gibert qui s'était perdu. Eh ben ça promet. Je connais pas le parking, mais on va plutôt faire confiance à mon instinct. Bon allez, allons-y. Minutes 32. Merci pour la course. Merci pour le spectacle. C'est encore mieux qu'à la télé. Oui, mais ici, vous êtes au milieu du terrain. Alors, vous allez vous mettre dans les tribunes, sinon c'est carton jaune. Regarde, c'est l'arbitre.